1, 2, 3. Alors maintenant que nous avons placé la route, les maisons, ce qui se passe à l'horizon, il y a une chose très importante, c'est aussi la direction des fils électriques hein, qui ici joue un grand rôle dans la narration de l'espace. Donc on va planter un premier poteau, hein, je vais le planter ici. Voilà, je vais donner une hauteur au poteau. Hein, de combien il vient au-dessus de la maison, bah, on va dire qu'il vient à peu près par là. La direction donc, de cette barre transversale ici sur laquelle on va avoir, et ça, sa longueur aussi, on va l'estimer. Voilà. Et on a un deuxième poteau électrique qu'on voit qui est entre les deux maisons. Donc ce poteau électrique-là, moi je vais le placer ici. Alors je vais le faire dépasser un peu plus que l'autre. Pourquoi? Parce que c'est plus joli comme ça, tout simplement. Hein. Hein, voilà. Donc lui il dépasse de ça, donc c'est bien. Et là je vais joindre, hein, je vais donner ces directions de câbles électriques. Donc ils viennent d'ici, on va dire, voilà, et puis il passe là-bas. Voilà, donc il y a un certain écartement entre. Voilà. Alors, les dessiner pas très, très, très précisément. Hein. Je veux dire par là de pas trop faire l'accent sur le trait. Hein, pourquoi? Parce que ça se trouve, vous aurez à rectifier hein, pour donner un peu plus de perspective à vos traits ou bien tout simplement pour pas donner trop trop d'importance au câble électrique aussi. Hein, vous mesurerez même avec la peinture l'intensité de la dilution, hein, une peinture pas trop opaque pour narrer, pour dessiner les câbles, sinon on verra plus que des câbles. Donc soyez, n'y allez pas trop fort hein, en faisant les câbles. Et puis où vont descendre? Alors on va dire qu'ils descendent par là-bas, quelque part, hein, ces câbles, voilà, qui viennent de là, et puis on va dire qu'il y a quelque chose derrière, là-bas, voilà, on a un câble. Donc ça, oui, voilà, donc ça c'est important. Et puis la chose très très importante, c'est les personnages. Les personnages, on va les placer, on va placer déjà leur masse. Alors on va dire, voilà, il y en a un qui a cette masse-là, hein, qui a cette hauteur-là, hein, qui vient, son chapeau vient devant ici, devant le devant le petit toit. On va avoir quoi? On va avoir ici, on va avoir son torse et ses jambes. Une jambe qui passe par là-bas. Voilà, donc vous esquissez hein, le personnage. Voilà, à peu près. Hein. Voilà, laissez-vous une marge d'erreur hein, pour... Si jamais après. Alors, l'autre personnage qui est à côté de lui, il est légèrement plus bas que lui, hein, aussi bien sa tête que le niveau de ses jambes, donc qui serait peut-être par là. Hein, donc, pareil, je vais tracer à peu près la posture du personnage, sa colonne vertébrale, ses jambes. Il y en a une qui passe voilà, vers l'arrière ici, comme ça. Donc, on aura ça. Ses épaules sont... Bon, il y en a une plus haute, légèrement plus haute, hein, celle de droite, son épaule de droite qui est plus haute. Voilà. Et puis l'autre jambe qui passerait par l'avant, hein, qui serait quelque part ici. Donc on aura un pied là, un pied là. Le pied de ce personnage, alors est-ce que je ne l'ai pas fait trop près? Bon, je vais l'écarter un peu. Donc c'est important de ne pas prendre quelque chose de définitif parce que... On peut déplacer les éléments plus facilement comme ça. Donc oui, je vais le faire un peu plus par aller. Voilà, on va le faire aller un petit peu plus par là. Le chapeau sera, on va dire, ici.
Voilà. Ouais. C'est pas grave. Ah, si on n'est pas dans l'exactitude même de l'image, bon, ça fallait passer un petit peu plus de temps à prendre les proportions pour être exactement pile poil hein, là où il fallait être par rapport à l'image. Hein, mais en ce qui nous concerne, on a tout le droit à réinterprétation et ce qui nous intéresse, c'est vraiment rendre l'atmosphère. Donc, si vous voulez avoir l'exactitude, oui, prenez plus de temps à prendre les proportions. Autrement, bah, on aura un joli tableau, hein, de toute façon. Voilà. Donc après, bon, bah, j'habillerai le personnage. Je mettrai voilà, un pantalon, des sandales, la jambe qui passe derrière. Ah, donc, est-ce qu'il sait quand même le volume hein, de ce que vous allez peindre? Et puis, on reviendra sur un dessin plus précis hein, du personnage parce qu'on va pas, on va pas modeler non plus, on va pas peindre des bonhommes de neige, hein, on va peindre des personnages concrets, bien dessinés. Hein. Mais dans un premier temps, on va voir déjà l'espace qu'ils occupent, hein, les volumes, les directions hein, des bras. Voilà. Alors il y a autre chose qui est très important avec ces deux personnages, c'est le chariot. Hein. Il y a un chariot ici, un manche de chariot qu'il tienne. Alors il le tient dans cette main-là et puis l'autre va le tenir dans l'autre main. Voilà, avec son bras qui part un petit peu en retrait puis son avant-bras qui revient. Donc ça se passera à peu près à ce niveau-là. Et ici on va avoir donc la largeur, on peut dire, hein, de ce chariot, voilà, on va dire qu'il est. Alors, ça part plus comme ça, d'accord. Donc, voilà, donc on aura la largeur du chariot qui est comme ça, qui est légèrement penchée vers l'avant. Voilà, donc on va le faire pencher, hein, on va faire une boîte qui est penchée, comme ceci. Et puis là, bon. Alors, il est peut-être un petit peu plus haut, hein, faut voir. C'est au niveau du genou, hein, carrément. D'accord, un petit peu plus bas que le genou. Donc voilà, donc ça c'est le bas de la boîte qui est à peu près au niveau des genoux du personnage, peut-être un peu plus bas que les genoux du personnage. Oui, il y a plus bas que les genoux du personnage. Donc à peu près ici. Donc ça descend, donc là c'est plus haut du coup. Voilà, donc voyez toutes ces proportions. Donc là ça va être plus large. Et puis là on va dire que ça passe par là. Ok. Là, ce serait à cette hauteur-là. D'accord. Le manche, tout va bien. Et ça rejoint le... Ici. Très bien. Très, très bien. Voilà. Donc pareil, les traits dont on n'en a pas besoin, on les enlève parce que ça nuit à la lisibilité. On va garder juste ce qu'on voit. Donc je vais repasser sur les manches du pantalon. Là, on a le chariot. D'accord. La roue du chariot, on verra tout de suite. Hein. On voit ça tout de suite. Voilà. Alors ça penche encore plus. Hein. Voilà. On ne voit pratiquement pas le dessus du chariot. Là, et là, ça penchera encore plus. Pas trop non plus, parce que c'est. Il y a un effet. Et alors, la roue du chariot, on va tracer les axes de la roue ici. Voici, voici, voici. Et on trace l'ellipse hein, qui va représenter la forme hein, de la roue. Donc là, voici. Ah, donc on sert des axes pour tracer l'ellipse. Et puis pareil, hein, il y en aurait une de l'autre côté, donc si on veut, donc là c'est intéressant de dessiner effectivement en transparent, hein, ce qu'on ne voit pas, puisque la deuxième roue serait quelque part ici, donc on verrait quoi? On verrait ça de la deuxième roue, voilà, donc on verrait pratiquement rien puisqu'elle est recouverte, ah oui, dans mon cas, elle serait recouverte par le. Ou alors elle est plus près, donc elle est là. Donc oui, on peut la décaler, on peut la mettre légèrement
plus par là. Il faut que ça corresponde au cylindre. Et la largeur, le chariot est peut-être moins large. Voilà. Ah, donc ça, concernant, alors je repasse un peu les traits. Bon, moi, je ne vous conseille pas de les faire aussi prononcés que je le fais, puisque après, il faudra modeler vraiment le personnage. Donc, il y aura des traits qui resteront, qui sont des traits de construction dont on n'a pas besoin. Voilà, je vais faire en sorte de dessiner complètement en même temps, comme ça j'ai pas beaucoup à effacer. Voilà, donc je dessine directement la manche. Donc pour ça, hein, pour dessiner directement un élément, bah, faut se le représenter un petit peu mentalement, faut représenter sa forme dans l'espace mentalement et la transcrire sur le papier. Donc, c'est quelque chose qui vient avec la pratique, hein. Ça, c'est pas. C'est pas grave si vous mettez plus de temps à dessiner un bras que ce que je fais moi, voilà. Enfin, aucune importance. Peut-être que vous mettrez moins de temps, hein, qui sait, hein, ça, tout est possible. Voilà, donc voyez un peu comment vont se sculpter, hein, ces personnages. L'autre, pareil, hein, bon, je vais dessiner, hein, le volume, hein, de la jambe avec le volume du pantalon, en fait. Voilà, et puis il a des chaussures, il a un pied. Voilà le pied, puis on posera ses chaussures par-dessus, hein, si on veut, voilà. Avec une épaisseur de semelle, hein, pourquoi pas. Voilà. Donc ça, majoritairement, c'est ça dont vous avez besoin. Après, c'est préciser le détail. J'y reviens sous peu, hein. Préciser le détail des personnages, hein, dessiner le chapeau, parce que c'est un élément narratif très important, donc on va faire l'accent là-dessus. Donc on fait l'accent sur les personnages, sur l'immeuble qui est ici, et sur le cocotier. Hein, le reste, c'est un peu du décor, un petit peu cette maison. Alors là, qu'est-ce qu'on peut lui rajouter? On peut lui rajouter, voilà, un petit écart entre le toit et le bloc, hein, de l'immeuble. Voilà, donc on a un léger retrait entre le toit et le bloc de l'immeuble. Là, peut-être que vous ne voyez pas à cette échelle-là, il y a un petit retrait entre le bloc et le toit ici, à ce niveau-là. Donc voilà, donc après on précise le dessin. À tout de suite. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à préciser les personnages et puis ce qui se passe au sol. Donc, on va commencer, on peut, si vous voulez, le chapeau, hein, du personnage, comment il est. Voilà. Donc ça va donner de l'identité, hein. À l'image. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Bon, on peut gérer beaucoup plus précisément l'anatomie, mais ça dépend du temps que vous voulez passer dessus. Là, je le fais assez approximativement. Puis de toute façon, faut s'adapter aussi au format. Ce format-là,
On va quand même dessiner les mains, hein, ça c'est sûr. Voilà. Voilà. Donc la main qui passe pour prendre. La anse. Voilà comment elle est rattachée au chariot. Et elle ressort de l'autre côté et c'est l'autre personnage qui la reprend. Donc voilà, donc tout ça c'est à préciser. Hein. Donc, on passe du temps. Voilà, la longueur du bras aussi à revoir, hein, puisque j'avais placé assez approximativement, peut-être un peu plus long. Alors je vérifie le coude, non, le coude doit être plus haut, donc non, elle était bien là où elle était. Effectivement, donc tout va bien. Voilà. Ah oui, simplement elle dépasse un peu plus. Voilà, c'est ça. Ah, ce qui donne plus de largeur au personnage en haut. Donc voilà, donc ça, tout ça c'est pour la ressemblance. Donc toutes ces. Et c'est important hein, parce que vous voyez tout de suite la forme change. On peut rajouter un peu de torse au personnage même. Ce qui le rendra plus proche de ce que je vois là-bas. Voilà, comme ça. Donc voilà, donc plein de détails à régler. Mais on va le faire, tout simplement. On va le faire. Bon, voilà, donc ce personnage-là, on va dire qu'il est fait. Hein, voilà, on va dire qu'il est fait. Vous pouvez davantage le préciser. Et le deuxième, donc le deuxième, il a une chemise. On va dessiner sa chemise. Son bras qui vient comment? Ah, elle est inclinée comment sa chemise? Elle est inclinée. Elle a juste un pan qui dépasse et elle est inclinée comme ça, d'accord. Voilà. J'efface ça. Je recommence. Là. Et là, son bras qui va passer par là. Le coude qui est là. Et là, j'ai bien la prise pour qu'il tienne la poignée. Alors, comment il la tient? Bon, on va esquisser juste la masse de la main hein, autour de la... ou sur la poignée. Une deuxième manche qui est... qu'on voit ressortir avec un bras, on va le faire passer, on va lui mettre un coude quelque part, voilà, peu importe, il faut aussi faire les choses pour qu'elles nous arrangent des fois, oui ça. Ah, si vous voulez pas passer trop de temps, donc ça c'est des simplifications utiles et ça marche très bien. Voilà, alors le pied on le fait passer où? Là on ne le voit pas. Alors on peut le faire apparent hein, le pied, hein, le pied du personnage, on peut le faire apparent, on peut le faire venir. On peut dire qu'il a là. Alors son genou il sera où il sera, on va dire qu'il sera là, voilà. On peut dire qu'il vient là et que son pied est là. Voilà. Enfin, ça ne sera pas inutile, hein. C'est bien de voir où se trouve l'autre pied, c'est narratif. Donc voilà, donc ça c'est des écarts, on peut en rajouter, on peut en enlever, c'est des écarts. Je dirais pas qu'on peut se permettre, parce qu'on peut se permettre tout, mais on fait des choses qui nous arrangent. Alors là, bon bah avec les personnages, on va dire qu'on a fini. Bon, il y aurait peut-être le visage aussi
du garçon et la chevelure qu'il faudrait quand même préciser. C'est vrai que là, oui, ça demande à être précisé, donc on va le faire. Et pour les personnages, ce sera tout. Voilà, donc la forme de sa chevelure, comme ça. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a son nez qui ressort. On voit sa joue. Voilà. Est-ce qu'on voit sa bouche? Non. Non, on voit ça un petit peu son menton peut-être. On va dire qu'il est là. Voilà. Voilà, donc on va esquisser le personnage sous cet angle de vue-là. Hein. Voilà. La chevelure qui passe ici. Voilà, donc ça, ce sera. Et puis le col. Hein, le col qui va nous dessiner quand même. Qui va nous donner. L'épaule qui ressort. Donc voilà, ça nous fait un enchevêtrement de plans hein, nous mène à sa tête. Et là aussi, on a l'épaule qui viendra empiéter sur le col. On peut donner une ligne de pli aussi sur le tissu si on veut, comme ça, hein, pour voilà. En bas, pourquoi pas. Ça vient comment? Ah oui, ça vient comme ça, et puis après ça retombe. D'accord. Voilà. En gros, il a une chemise comme ça. Oh, et puis bon, vous effacez tout ce dont vous n'avez pas besoin, parce qu'on n'en a pas besoin. Et on va s'occuper maintenant du sol. Alors, je vais dessiner un petit peu son pantalon, voilà, comme ça. Voilà, ce sera suffisant. On a nos personnages et maintenant notre sol. Alors le sol, bon, les pieds de celui-là, bon, on va dire, allez, vous m'en faites grâce. Voilà, on va l'esquisser. Sur le sol, on a ces espèces de dalles en hexagone. Donc on va en placer. Alors on va en placer où? On va en placer aux endroits stratégiques, c'est-à-dire à proximité de nos personnages. Ça fait partie des éléments. Donc on va se dessiner quelques hexagones. Hein. En fait, on va en dessiner pas mal. Ça, c'est c'est toujours comme ça hein, quand on a des sols pavés ou en motif, alors là, au secours. Voilà, donc ça fait pas mal de dessins. Alors le dessin n'est pas précis partout. On le précise plus vers les endroits qu'on veut accentuer. Et alors une chose ici à laquelle on faut penser, c'est le rétrécissement du motif. Ça, voilà, le rétrécissement du motif. Et aussi, bon, enfin, il y aurait plein de choses. Il y a aussi l'espace, en fait, que vous dessinez avec le motif. C'est-à-dire que le motif, il a une certaine perspective sur le sol. Donc, en changeant d'échelle, donc vous créez une profondeur de champ. Alors là, par exemple, là, l'idée, c'est quoi? C'est de faire des carreaux qui sont de plus en plus grands. Et qui vous donneront l'impression de profondeur. Hein, puisque on a. Alors, ça, c'est. On peut jouer sur l'exagération aussi. Hein. Ça, c'est. Voilà quoi. Là, on a une exagération, mais qui peut être tout à fait justifiée dans le dessin. Donc voilà. Alors, faut quand même avoir une structure qui tient la route. Alors, donc, faut quand même en faire quelques-uns. Hein. Ça, c'est, on peut pas passer à côté hein, sans les faire. Hein, si on veut les figurer, hein, ces carreaux. Voilà.
mais ils seront pas partout de la même précision. Alors là, quand on va aller plus loin, alors ce qu'il faut se dire, c'est que là ce qu'on fait, c'est que on veut faire apparaître le lointain par la diminution du motif. Hein. C'est surtout ça qui nous importe sur ce plan-là, hein, puisqu'on est assez loin. Donc là, on va beaucoup moins jouer sur la précision, on va beaucoup moins accentuer le contraste parce qu'on est loin. Donc ça, déjà, ça va jouer. Hein. Alors là, je vais l'accentuer quand même un petit peu plus parce que sur la vidéo, c'est peut-être pas super super visible. Donc là, j'accentue un petit peu quelques carreaux ici pour que vous voyez hein, la différence entre un carreau qui se trouve ici et puis un carreau qui se trouve là. Mais ça, vous le choisissez, hein, la diminution. Sauf qu'il faut quand même en avoir assez pour arriver jusqu'au bout de la route. Alors, au bout de la route, on n'en fait pas. Hein. Voilà. Après, le taux de précision, il va en diminuant. Et le motif va en se rétrécissant, donc vous arrivez à esquisser vos pavés comme ça vers la fin. Et après, ils vont se fondre dans quelque chose qui va être plus une texture que des pavés en soi. Hein, donc vous donnez l'impression d'une texture en jouant sur les ombres hein, que peut avoir le relief du pavé ou bien l'interstice entre les deux, donc il y a quand même un petit dessin de forme qui les rappelle. Voilà, une structure dans leur ensemble. Donc ça aussi, c'est un peu. C'est pas que l'imagination, c'est pas vraiment l'imagination du motif, parce que le motif, quelque part, faut le reprendre pour avoir l'illusion. Mais on a des libertés parce que les ombres, finalement, elles vont dessiner un peu une texture. Donc, faut simuler la texture de ce que ça pourrait être. Voilà. Alors ça, c'est bien en dessin là. En aquarelle, en fait, ces tout petits motifs comme ça, vous les faites en peinture. Mais bon, on les a précisés un petit peu, donc ça donnera une ligne directrice pour le pinceau si jamais on ne sait pas où on va. Voilà. Alors, on continue. Donc voilà, il y a tout ça à faire. Je laisse un. Je reviendrai avec un dessin déjà complété hein, de cette partie-ci. Je vais dire ce qui se passe au niveau des herbes. Donc au niveau des herbes, il faut montrer qu'on a quand même un rebord qui est moins éclairé. Hein. C'est une marche. Hein. C'est une marche. Donc. Je vous remercie d'avoir suivi le cours. Là, je vous invite à dessiner. À refaire ce qu'on a vu ensemble et de m'envoyer vos travaux par mail au stade où vous en êtes, à un moment où vous posez une question. Donc envoyez-moi un mail. Vous avez l'indication de mon mail dans les indications du film. Et puis autrement, bah, je pense que bon nombre d'entre vous l'ont, mon mail ou mon numéro de téléphone ou quoi que ce soit. Enfin, de toute façon, le mieux c'est que vous me contactiez si vous n'avez pas mon mail et envoyez-moi un mail avec une image de vos travaux et des questions que vous vous posez. Eh bien, au plaisir de se revoir pour la suite. À bientôt.